l'enfant parvient à son terme, que l'on peut fêter sa naissance. Il est conduit sur la terre ferme, un monde de paix, d'impatience. Les douleurs s'estompent via l'amour, pendant que la mère et l'enfant découvrent et prolongent le parcours d'une joie partagée de l'instant. N'être jamais seul, ce à quoi nous convie, du berceau jusqu'au linceul, notre vie. N'être jamais seul, une quête aboutie, lorsque l'enfant et l'aïeul se sourient. Rire tout au fil des années, tenter tous les jours de renaître, nourrir son savoir, sa pensée, remercier l'ensemble de ses maîtres, parfois aussi se rebeller contre ses parents et ses proches, avis et conseils refusés, ne pas accepter leurs reproches. N'être jamais seul, ce à quoi nous convie, du berceau jusqu'au linceul, notre vie. N'être jamais seul, une quête aboutie, lorsque l'enfant et l'aïeul se sourient. Soit rencontrer une belle âme, et jour après jour découvrir, quel est du bonheur le sésame, en décidant de la chérir. Ensemble travailler et construire, maison, amitiés et familles, ne pas rejeter et conduire le mendiant perdu en guenille. N'être jamais seul, ce à quoi nous convie, du berceau jusqu'au linceul, notre vie. N'être jamais seul, une quête aboutie, lorsque l'enfant et l'aïeul se sourient. Très vite les années vont passer, très vite les enfants vont grandir, on pourra alors les aider à s'émanciper sans hardir. Quand sonnera l'heure du départ, viendra le moment du recul, nous obéirons au hasard et attendrons le crépuscule. N'être jamais seul, ce à quoi nous convie, du berceau jusqu'au linceul, notre vie. N'être jamais seul, une quête aboutie, lorsque l'enfant et l'aïeul se sourient. Se sourient.